saison a commencé avant, effectivement, pour l'année 2018. Là, nous avons une saison qui a commencé le 25 mai avec Alberto, qui a commencé dans l'Isla, donc suivi de toute l'autre. Alors, dans le bassin, nous avons un système ça a pris naissance. Nous avons au total un ensemble de systèmes qui prennent naissance et qui créent vraiment des problèmes. Alors, si ma pour rappel pour nous, donc ça veut dire que ensemble système ça y est qui t'est créé problème non, donc nous gain au total gain des dégâts matériels, des dommages matériels qui fait autour de maintenant. Ce système ça yo yoté c'est on parle d'une manière générale pour bassin hein. Donc bassin cyclonique là, dit bassin caribéen et atlantique là. Alors maintenant pour l'IA, qui système qui était un peu plus et qu'a créé problème et plus meurtrier, c'était Michael. Michael était censé atteindre une pression de 919 hectopascal avec une pression comme ça. Donc c'est tout à fait normal qu'elle atteigne au niveau 4 et puis avec des vents extrêmement violents. Et système ça, c'est des systèmes qui étaient un peu allés sur les côtes des États-Unis. Il était créé environ plus de 60 morts. Alors qu'en est-il pour ça que tu dit pour prévision yo? Prévision d'ensemble, yo, nous connaissons que chaque année, avant la saison à commencer, toujours gagner un ensemble de services météorologiques, universités et consortiums d'assurance qui fait des pronostics. Et pronostics, ça, yo, tout le monde est un peu unanime pour te dire que c'est des pronostics saison capables et de moyennement plus un peu plus intense. Donc, avec environ 15 à 16 systèmes nommés, et autour de 8 ouragans, dont 2 à 4 ouragans majeurs. Alors, effectivement, qu'en est-il? Nous gagnons pour saison ça, d'après prévision que tu dis, effectivement, nous gagnons 15 systèmes nommés. Et parmi 15 systèmes nommés, ça, nous gagnons 8 ouragans. Et nous gagnons deux là-dedans, c'est des ouragans majeurs. Alors, qu'en est-il pour Haïti? Heureusement, fort heureusement, Anessa, que nous gagnons, c'était trois seulement systèmes, Isaac, Beryl et Kirk, qui étaient un peu paraître beaucoup plus menaçants pour Haïti. Et c'est de par trajectoire que censé y être prêt. Y était prêt en trajectoire pour sortir en Tekadou au sud de. Côté, nous sommes obligés de camper devant le tremblement de terre qui était 5.9 qui était frappé le département nord-ouest. Dans la mer sous Côte-Port-Paix, le jour qui était 6 octobre 2018, là, pour 8 et 12 minutes dans la soirée, comme ça. C'est presque tout le département dans le pays qui était senti le tremblement de terre, ça, qui était la cause des gars dans le département nord-ouest à Clatibonite. Côté 18 pour me perdre la vie, 11 dans le département nord-ouest et puis 7 dans le département de la Tibonite. T'es gagné tout 714 frères accès nous qui étaient blessés et puis qui t'a pris la soignage dans divers hôpitaux dans la région. Nous avons 32 avec bio l'État qui sont soit dommagés, soit crasés net. Devant cette situation, ça, toute action réponse, c'est le gouvernement qui est bailli à travers le centre d'opération urgence, qui est CUN, qui est le centre d'opération d'urgence nationale, qui est CUT, qui est le centre d'opération d'urgence départementale, à CUCIO, qui est le centre d'opération d'urgence communale qui concerne. Autorité qui est dans le gouvernement, avec quelques institutions internationales, ont participé dans la population, assistance toute qualité. Tant que soins pour les gens qui sont blessés, support pour l'enterrement, distribution kit alimentaire à manger, et puis appui psychosocial pour élèves l'école qui sont victimes. Nous avons fait un pile visite sur tout terrain pour fournir, pour voyager, garder, comprendre plus bien qui donc évaluer qui sa population a gagné comme besoin dans la situation liée, et pour nous encadrer plus bien. Dans sens ça. Je dis que nous avons sorti dans la phase chaude de la saison cyclonique. Là, nous sommes capables de vraiment mettre l'accent sur lui, travailler avec tout l'autre partenaire en façon pour que l'égalisation du système soit capable de faire au plus vite et en manière pour nous capables de un système qui semble avec le système qui existe dans tout l'autre pays, mais surtout pour nous un système qui est fort, un système qui a une vraie capacité pour justement faire face à la situation. Parce que je nous souhaite là.
saison cyclonique là, c'est et risque cyclonique là était quand même un risque, mais les saisonniers, mais risque sismique là sont risque qui permanent. Il y a longueur d'année parce que on tremblement de terre car n'importe qui là et m'a répété ça ingénieur petit remédien. Pas rien l'autre gens pour faire, c'est pareil pour nous parler. Donc on a continué faire effort pour nous capable gagner moyen et pour nous capable équiper équipe nous pour capable gagner moyen pour continuer faire face, continuer faire bon travail que engagé là-dedans déjà. Donc ma on dernier bagage que m'a annoncé nous c'est que nous on travaille tout sous déploiement de certains moyens pour nous capable faire plus communication, plus sensibilisation et plus éducation à grand public là par rapport à ça les risques et menaces. Donc dans ce sens ça nous on pas plusieurs travail qui établi. Par exemple, avec le ministère de l'Éducation, côté que nous avons introduit un programme de un curriculum de formation au niveau de l'école primaire, l'école secondaire, pour apprendre à six monde qui sont supposés faire. Supposé réagir lors des cyclones, sans supposé faire leur côté qui a gagné ce terrain. Nous avons continué tout avec le programme sensibilisation et communication en tout à travers les médias traditionnels, radio, télévision, mais nous avons mis un pile force tout dans les médias et ça n'est les nouveaux médias, les médias électroniques, dans le sens que nous avons des canaux qui déjà existent déjà et nous remercions tout le monde qui a suivi nous et qui voulait nous la donner. Et nous allons augmenter l'effort toujours parce que je profite là pour m'annoncer que la protection civile très bientôt va lancer une application sous téléphone qui permet au monde quelque chose à côté lié s'il y a un problème, il est capable justement de voir information et nous-mêmes les ça nous capable de faire coordination avec instances qui concernent nous en façon pour nous capable de porter support à la population. Toyota, c'est une démarche qu'on a fait depuis longtemps, qu'on a demandé au gouvernement pour mettre un fonds de garantie capable de permettre de transporter aux jeunes qu'on prêtait pour nous recommander à moderniser le transport. Parce que la nouvelle l'autre mondiale, là, nous trouvons déjà le transport, nous avons fait là, il n'est pas agréable assez, mais nous-mêmes, transporter, nous constituer des sociétés pour nous traguer accès pour nous jeunes comme prêter, mais le gouvernement a accompagné pour faire nos jeunes comme ça prêter dans le BNC, pour nous acheter autobus, pour nous changer de transport dans l'arrière, pour nous commander pour nous monter tout propre, pour arriver à travailler tout propre. Mais c'est dans ce sens ça, je dis là, nous dans la maison Toyota pour nous venir recevoir la machine ça, pour nous mettre au service de la population haïtienne. C'est remis comme nous t'es prêté exactement. Et bon, son société nous gagne, pour nous bien d'eau, c'est pas un montant X comme nous prêter, non, c'est dans l'effet crédit avec la banque. Pour faire la banque acheter machine ça pour nous gagne 5 ans pour nous travailler, pour nous payer machine ça. Son comme nous prêter dans le BNC. Mais le gouvernement est accompagné, nous capable de permettre nos jeunes prêts. Mais c'est une société, c'est Alternative Investissement Transport AIT. Et il y a plusieurs sociétés qui sont là, qui sont Remito. Quel que soit citoyen, de vous constituer une société légalement ou qui a accès à un crédit, ça. Il n'est pas fait pour un groupe bien déterminé. Il est fait pour transporter. Avec dit depuis où même vous constituez une société légalement et qu'on a tout papier légal ou non, ou qui a accès pour aller à BNC pour aller à un crédit, ça. Dis-nous. Pour moi, on n'a pas la voilà, on a pressé 15 autobus qu'on est là toujours, mais nous capables. Autant de fois, on a payé, autant de fois, on a acheté. Comment nous allons l'utiliser? Nous allons l'utiliser, nous allons le mettre au transport en commun pour tous 10 départements pour nous comment nous sommes capables de changer le transport d'une façon. Même au niveau capital, nous allons mettre des autobus climatisés pour nous sortir la caille tout propre pour venir travailler tout propre. Et pour chaque monde qui est à nos places, convenablement, pas faire mon pied sur le monde, venir camper en deux machines. Non. Et nous allons parler de modernisation du transport, il faut mettre toutes conditions pour moderniser le transport tout bon. Oui. Et puis nous allons faire ça, même si dans toute capitale, a fonctionné, tout climatisé, mais c'est le bagage pour le camper tout. Côté même j'ai toute machine, nous parlons des prêts bien déterminés pour machines à camper, pour prendre un monde, pour déposer monde. Nous sommes tous des bénéficiaires. Que c'est, nous sommes directement si ou pas voulu sortir à machine privée ou qu'on doit monter une machine ça, normal ou à privé, à l'aise, côté ou pour aller, sans que vous pas chiffonner, sans que vous radou pas sale. Nous voulons faire un distinguo tout entre machine qui porte monde et machine qui porte marchandises et machine qui porte bête, qui porte animaux. C'est que c'est dans le contexte ça, nous sommes capables de faire tout effort ça. Je vous dis, nous sommes capables de dire population et nous sommes de bonne voie côté dans le mois de décembre. C'est pour protéger autrement. Oui, il faut protéger dans la rue. Bon, on a profité de que l'air pour monter la machine, conseil de bagaille, par exemple, il n'y a pas de manger dans la machine, il n'y a pas de manger plus de la machine, il n'y a pas de manger de la machine. Il y a une condition que normalement, les climatiser et qu'il faut aucun bel propre. Et M. le président Préval, nous avons envie de faire un projet, mais nous n'avons pas réalisé le projet. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de crédit. Et avec le président Matéli, nous avons démarré avec le crédit, mais je dis, il est vraiment effectif. Okay?
nous même transporteurs, nous contents et nous allons demander pour nous, la population, nous même accompagner nous pour que ça nous fasse. Vous ne pouvez pas arrêter là, même j'ai accepté passer déjà, autant pour service plus, autant pour Obama. Non, 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 l'autre là. Ça, ce n'est pas public, ça c'est privé, ça c'est nous-mêmes qui mettons la haine pour la remettre. C'est le résultat qui fait que nous montons l'été, nous montons la société pour nous capables de gérer mieux. Transport qui va en l'autre bagage dans le pays d'Haïti. Un transport moderne, nous voulons moderniser le transport là. C'est-à-dire que quel que soit touriste qui a venu dans le pays, dans quel que soit le pays, donc c'est le transport qui identifie le pays. Donc, Haïti, bus ça, yo là pour quel que soit le secteur à service, quel que soit le monde en service. Bon, touristes là rentrer là pour que bon transport moderne cap fait dans le pays là. Donc nous connaît transport, il y a plusieurs vecteurs là dedans, il y a route là qui est essentielle, mais matériel cap et bail population service, mais matériel ça faut qu'il y ait adéquat. Donc alternative investissement transport SA. Et dans nos tout transporteurs, on a remercier particulièrement le président de la République là qui le noté à côté là avec projet là. Et qui t'a accueilli là avec un pile enthousiasme et qui aujourd'hui a rendu opérationnel. Et président, il y a deux contributions que l'État baille dans l'initiative ça. Contribution numéro un, c'est que machine nous pas payé yo à prix normal à 100% que c'est terminé nous même comme nous même seul nous venons acheter yo. Bon rabais spécial qui fait pour transporter comme contribution gouvernement à modernisation d'une part. Ça c'est extrêmement important. Et deuxièmement, c'est pour le fonds de garantie. Ils ont mis à disposition nous à partir de ce fonds chaque société, chaque organisation a acheté machine comme garantie on met des fonds hein. Mais c'est chaque monde qui a payé machine séparément et pas machine l'état ben nous ces machines n'a pas acheté sous base fonds de garantie hein. Et nous gagnons pour un certain nombre d'années pour nous payer machine nous comme si n'importe individu t'es entré dans une banque il vient dans un concessionnaire il dit il y a pour mettre ailleurs. Pour ce circuit, il y a essayé dans une deuxième société, il y a environ 200 machines dans la même qualité ça, qui pourraient distribuer par les transporteurs dans tout le pays. Et ça, son premier pas. L'autre pas derrière, puis devant, on a parlé. Pédagogie, qu'on donne aux étudiants une assurance, ils vont comprendre l'importance. Déjà, la première chose, on va vous rendre autonome des parents, ça va? Deuxièmement, vous allez valoir quelque chose. Si vous êtes malade, vous n'allez pas demander un professeur ou quelqu'un pour vous donner de l'argent, vous avez votre carte d'assurance, vous allez dans une unité périphérique ou un médecin. Donc, vous êtes déjà, vous valez quelqu'un. Entre guillemets, je dis, vous valez quelque chose. Donc, ce qu'on veut, c'est que changer la médecine haïtienne, qui a une tendance plutôt humanitaire, pour aller vers une tendance sociale et économique. Donc, parce que vous êtes ici pour gagner votre vie, pour construire des hôpitaux, pour avoir le plateau technique. Je vais être court. On veut que vous soyez des ambassadeurs de cette cause-là. Vous êtes assurés, vous allez connaître ce que c'est. Vous serez directeur général de l'OFATMA, président de la République, ministre de la Santé publique, ministre des Affaires sociales. Vous allez donner l'assurance à tout le pays. À travers ce plan complet d'assurance qui prendra en compte à la fois les risques au bénéfice des parents des étudiants décédés, il s'agira concrètement pour l'OFATMA de protéger les étudiants contre les risques catastrophiques, d'initier les étudiants aux notions de prévoyance personnelle, protéger les investissements de l'État haïtien dans le financement des études supérieures et finalement de garantir une quiétude d'esprit aux parents
puisqu'il s'agit de la prise en charge de leurs enfants universitaires. Aujourd'hui, je suis particulièrement fier et heureux, certainement en ma qualité de directeur général de l'OFATMA, mais également et surtout en ma qualité de disciple d'Esculape, de revenir à l'alma mater pour remettre officiellement un lot de cadres d'assurance santé au doyen de la faculté de médecine, le professeur Cadet. Et annonçant ainsi que les temps ont changé et que malgré les difficultés liées au contexte sociopolitique difficile dans lequel nous évoluons, le gouvernement Moïse Seyan entend honorer ses promesses et ne ménagera aucun sacrifice pour améliorer le bien-être du peuple haïtien. Puisque nous avons investi sur chacun de vous, nous voulons vous garder en bonne santé, nous voulons que vous soyez une promotion idéale. Vous êtes en bonne santé, vous allez étudier, vous devez être tous des lauréats, et dans 6 ans, nous voulons être moi et le vice-doyen, nous serons plus loyaux à l'époque, mais je veux assister à la cérémonie. Chacun de vous devra être diplômé dans 6 ans. C'est pourquoi nous investissons dans votre santé. N'est-ce pas? Vous me promettez ça? Vous devez savoir, comme moi, que le docteur Charit, qui est ici présente, est la coordonnatrice de l'unité pour l'accréditation. Qu'est-ce que c'est l'accréditation? L'accréditation veut dire que dans quelques années, quand cette faculté sera accréditée au nouveau système de santé, ce n'est pas virtuel, ce sera réel, quand vous êtes à la faculté de médecine, de la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti, c'est comme si vous êtes à l'université en France, parce que vous pourrez faire ce qu'on appelle la mobilité. Quelqu'un qui étudie dans une faculté accréditée peut traverser dans une autre faculté de n'importe quel pays du monde. Vous entendez? C'est pourquoi je vous invite à étudier, à accepter certains sacrifices. Vous aurez à faire certains sacrifices, mais puisque vous êtes en bonne santé, vous savez qu'un corps sain, dans un esprit sain, vous aurez donc la capacité d'étudier. Avant de partir, je voudrais remercier du fond du cœur, pas un camarade de promotion, il a été mon élève, mais un homme qui a compris bien vite qu'on devait avancer. Le docteur Agabus, à aucun moment de la durée, n'a pas hésité à nous donner son support inconditionnel. Tous les mots sont importants. Son support inconditionnel pour la cérémonie du jour, qui est une cérémonie dont je suis très fier comme doyen. C'est la première fois dans l'histoire de cette faculté depuis 1867 que les étudiants seront assurés, leur santé est assurée, la maternité des étudiants sont assurées et nous n'allons pas prendre le troisième volet, il n'y aura pas de funérailles puisque nous sommes tous en santé. N'est-ce pas ?